Gustavo, réveille-toi. Dis-leur que je suis riche. Dis-leur que j'ai de l'argent. Réveille-toi, que j'ai pas tout perdu. S'il te plaît. Non. Ce n'est qu'un rêve. C'est moi, Véronica, ta femme, tout va bien. Tu es à la maison. Tu n'as pas tout perdu. Tu es un homme riche, du calme, tout va bien. Oh, merci, grâce à Dieu. J'étais en train de rêver. Du calme, mon vieux. C'était rien qu'une farce. Une farce? Tu m'amènes au bout du monde et c'est juste pour une farce? Tu veux quoi au juste? Tu veux me descendre pour t'emparer de la société? Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est impossible. Gustavo ne m'aurait jamais laissé comme ça. Il ne m'aurait pas abandonné devant l'hôtel, mais c'est son écriture, Madame Julieta, je la reconnais, c'est lui. Pour nous tous, il est évident que tu es la coupable. Jamais Gustavo n'aurait fait une saloperie pareille à Rosie. Tu es derrière tout ça. Avoue-le! Vous êtes aveugle et vous ne voulez pas comprendre ce qui pourtant saute aux yeux. Gustavo a renoncé à ce mariage. Bon, Monsieur Gustavo Brandao, voici vos papiers et votre billet. Votre embarquement pour Buenos Aires se situe à la porte 6. Merci beaucoup. Tout est en ordre, il n'y a aucun problème? Aucun. Je vous souhaite bon voyage. Je vous remercie. Elle avait tout calculé, Louisa. Oui, mais moi, tu vois, j'ai compris cela il y a seulement très peu de temps. Alors c'était donc vrai? Tout ce qu'Alcino m'a dit était vrai? Tu as voulu te débarrasser de moi depuis le début? Non. Non, Gustavo, écoute. Comment j'ai pu être aveugle? Aveugle et idiot? Ce n'est pas du tout ça, Gustavo, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai très bien entendu ce que tu viens de dire à ce type. Maintenant, tout a un sens, Véronica. Tout a un sens.